Alors ça, c'est les photos faites au Cambodge dans ce premier voyage en décembre 91. Hein. Alors moi, ça me touche parce que maintenant, ce sont des... C'était il y a quoi? Il y a 16 ans. Donc cette petite fille qui devait avoir quoi à l'époque? 7 ans? 10 ans peut-être, 10 ans? ouais, parce 10 que ans? l'âge. 10 ans, voilà, elle a 26 ans. Ça, c'était près de Phnom Penh, près de Chiang Kai. D'accord. Chuen Aik, c'est le musée C'est ce qu'on appelle the Killing Fields, oui, c'est ça. D'accord. Donc là où se passaient les exécutions et de masse. Ah, donc ces petits gamins, moi j'étais parti en vélo là, et ces petits gamins nus sur les routes, gardant les canards. Quelque chose d'assez incroyable. Jouant dans la rivière, comme ça. Ça, c'est à quel moment dans la rizière, là, quand le riz est comme ça? Ça, C'est c'est juste avant la récolte, ça? avant la récolte, oui. Mais là, elle récoltait, non? On voit qu'elle s'est coupée. Est-ce qu'elle elle a une Oui, serpette, on dirait, hein? Donc elle est en train de... c'est la récolte. Elle est en train de... Mais elle travaillait seule, j'ai l'impression. Oui. N'y a pas beaucoup de graines de riz, on voit pas. Et on voit pas grand-chose, hein? Non, non. Un petit peu, là, peut-être. Oui. Marché Là, de Phnom Penh. d'accord, là, ils vont aller du Nom Bon Chok. C'est là où les vermicelles khmer. Voilà. Les gamins sur la place en face du palais qui se moquent de moi parce que à cause de mon appareil de photo, je pense. Alors c'est extraordinaire hein, la manière dont ils tiennent les doigts. Ils n'ont pas les doigts comme ça, ils ont les doigts. Hein, ils ont une D'accord. souplesse incroyable dans les Comme doigts là, les danseuses. hein, comme les danseuses. Hein. Ouais. Le reflet, non? Ouais, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était dans l'ancien périmètre de l'ambassade de France où j'avais voulu aller, qui a été transformé en orphelinat à l'époque. D'accord. Un super t-shirt, bien blanc. Oui, et puis il a des marques Ouais. De ventouse. De ventouse, ouais, de... ouais, ça les chope, ouais. Voilà. Chop. Chop. Ah, ben, merci Jean. Non, ça m'a fait plaisir. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose encore quand il y a des choses qu'on peut dire? À toi personnellement. Là, ce sont des questions que moi je me pose, mais Oui, non, est-ce c'était sur le procès. Non, sur le procès, on attend. Le mois de juin, on va faire cette conférence, donc le 20 juin, hein, à laquelle toi tu que. viendras, vous viendrez parler. Ouais. Donc on en saura un petit peu plus dans les semaines qui viennent. D'accord. Et votre prochain voyage au Cambodge, alors ça C'est arrive cet bientôt, été, hein? c'est C'est cet cet été, été, hein? oui. Cet été, ce sera essentiellement Phnom Penh en arrivant, où j'ai des amis à voir. Et puis ensuite, pour ce projet de film, je serai allé dans la région de Battambang, D'accord. où pour l'instant j'ai placé l'action du film. D'accord. Voilà. Et David Boyle, alors qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle auprès du juge Marcel Dumont? Alors, David Boyle, il est l'assistant du juge Marcel Lemonde. Il est pratiquement juge d'instruction en second. Oui. Hein, et donc, il est analyste, il fait des enquêtes. Alors, pour l'instant, il a été très accaparé par la rédaction du règlement intérieur. Mais Oui. son travail, ça sera d'enquêter et de préparer les dossiers contre les. Enfin, la charge, il y a des charges Ouais. sur les responsables Khmer Rouge. Hein. D'accord. Bon, bah, c'est tout, hein, je crois. Ben, merci beaucoup, Jean. Ok, c'était Voilà. facile.